Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors oui, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'utilise mon micro. Pourquoi je l'ai pas fait avant, j'en sais rien, sans doute parce que j'étais pas sûre de bien l'utiliser. Donc bon, normalement tout est ok. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous trouvez que le son est plus agréable que dans mes précédentes vidéos. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de 2023, ou la dernière, ça dépend quand je sors la prochaine. Et aujourd'hui c'est vous qui avez décidé qu'est-ce qu'on allait ouvrir. Et donc vous aviez le choix entre plusieurs options et c'est la série des 151 qui a remporté le sondage. On a donc 7 ETB à ouvrir, mais c'est pas tout, j'ai décidé de rajouter ce lot de 6 boosters, mais c'est pas tout. Comme vous l'avez vu dans le titre, on ouvre pas mal de boosters aujourd'hui, et donc, hop là, on rajoute le coffret classeur avec 4 boosters supplémentaires. Alors oui, ça fait 19 boosters et pas 20 comme je l'ai écrit dans le titre, mais écoutez, je trouvais ça plus sympa, 20 boosters. Bref, c'est parti, mais avant de commencer, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Et sur ce, c'est parti pour l'ouverture. Ok, donc voilà nos 19 boosters. Bah écoutez, c'est parti. Alors vous m'excusez, hein, mais je me suis fait mal au doigt, donc j'ai mis un pansement. Hop. Je vous avoue direct que je suis pas hyper à l'aise au niveau déjà de la caméra qui filme les cartes, et en plus du micro. J'espère que tout va bien. Je vous avoue que ça me stresse un petit peu. Mais bon, allez, ça va bien se passer. Et puis si c'est pour avoir un meilleur son, franchement, moi ça me va. Donc, on commence avec celle-là, Pyroli et un Nidoking. Ok, allez, j'espère qu'on va avoir plein de 8 pour possiblement la dernière vidéo de l'année. Je pense que je vais faire une autre vidéo parce que j'ai vu que dans les sondages, donc j'avais proposé une display V-Star Universe, du Célébration, du 151 du coup, et puis du Zénith Suprême. Et puis vous avez été quand même pas mal à voter pour Célébration, donc hop là. Si ça vous dit, on peut faire une dernière vidéo en 2023 de Célébration, du coup, pour la nouvelle année. Donc, je disais, pour la nouvelle année, une ouverture Célébration, ça pourrait être pas mal. J'en peux plus de cette cam qui arrête pas de s'éteindre. Allez, un petit hit, ça commence avec un Mew X. Évidemment, une très jolie carte de Mew. Même si j'ai eu la Full Art, qui est encore plus jolie. Ouais, je tiens à le mentionner parce que franchement, j'ai pas souvent les Full Art, alors ça fait plaisir. Hop. Faites-vous plaisir avec les codes, hein. J'espère que vous les utilisez. Allez, Ponyta, Pikachu, Canartichaud, Vieille Ambre, Hypocéan, Kabuto, Ortide, Ossature que j'aime beaucoup, enfin en tout cas l'illustration je l'aime beaucoup, un E9 et Staros, j'aime aussi beaucoup l'illustration. Mais c'est pas ça qu'on cherche. D'ailleurs je peux vous remettre les cartes Gaul, enfin en vrai elles sont toutes cartes Gaul, toutes les TG sont magnifiques donc... Donc voilà, bref, je vous en mets quand même quelques-unes à l'écran que j'aime bien. Allez, Porygon, Electek, Rhinocorn, Aquaquack, Scarabrut, Transfert de Léo, Magnéti, Rondoudou, un Mew. On l'a pas souvent cette petite carte de Mew, mais elle est très très cool. Je crois que c'est mon holo préféré d'ailleurs. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin de semaine. Les vacances, en tout cas pour moi, je suis en vacances aujourd'hui, je suis trop contente. J'en avais vraiment besoin, je suis tellement à bout. Et voilà quoi, Noël. Non, je suis allée trop vite, je suis désolée. Bon, Miaouss, il est magnifique et je l'avais pas, t'es tard. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Un Grelem, ok. Mais il est magnifique ce petit étarte. Franchement, avec les petites gouttes de pluie, le petit relief et tout sur l'eau. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça commence très bien. J'avais eu l'alternate de Draco qui est aussi très jolie. Il me fait un petit peu penser à ça en fait dans les... Dans les couleurs. Hop, bah écoutez, ça commence bien, même si j'ai foiré. Voilà, encore une fois, je pars, je raconte ma vie et j'arrive. Pourquoi j'ai mis Grelem juste là? Je suis désolée, Grelem, je te remets là.
Et ça se voit que c'est la fin de l'année, là, j'ai besoin de vacances. Ça se voit que c'est le premier jour des vacances, surtout. Boostiflore. Hop. 20 minutes. Ah ouais, il fallait pas la louper, celle-là. Paras. Bon, moi, je disais, parce que je continue quand même à ouvrir mes cartes, et j'arrive à parler en même temps. J'arrive à faire deux choses en même temps. Je suis allée faire mes cadeaux de Noël. Non, parce qu'il me manquait juste 2-3 trucs, donc voilà. J'avais quand même fait le gros avant. C'est insupportable. C'est dingue, je sais pas pourquoi, et il y a comme un consensus à la fin de l'année, juste avant Noël, quand on fait les magasins, les personnes sont voilà quoi, pas hyper agréable, on va dire, pas hyper logique ou je sais pas, juste rapide. Il y a un truc quoi, je sais pas. Et moi je les vois là, tout ça agglutiné dans les rayons, et j'essaie de passer tchac. Ah, une petite holo d'énergie, ça fait plaisir. Je la mets là. Beaucoup trop de monde, beaucoup trop de queues dans les parkings, à la caisse, enfin bref, voilà. C'était mon petit coup de gueule de fin d'année. Donc vraiment, j'ai hâte de juste rester chez moi, de glander, de rien faire, plus bouger. Allez, Onyx, et d'ouvrir des cartes Pokémon, hein, évidemment. Krabby. Nidoking. Désolée, hein, si cette vidéo part un peu dans tous les sens. Et voilà, c'est fait avec le cœur, comme d'hab. Alors, énergie électrique, Voltorb, Krabby, Sabelette, Otaria, Scarabrut, Transfer. Mais il y a le tournoi en rond, ces cartes. Nosferalto, ok. Lamantine qu'on n'avait pas encore. Attendez. Reptincelle et ouais, non. Monsieur Mime. Ok. Je vérifie juste si mon son enregistre. Mon son enregistre, c'est trop bien. Je suis trop contente. En vrai, j'ai ce micro depuis un moment et je l'utilisais pour les lives Koh-Lanta du coup ou les streams. Bah, je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé beaucoup plus tôt. Bon, peut-être parce que j'avais la flemme de trouver comment je pouvais enregistrer le son. Enfin, faire la captation de son. Et en fait, c'est tout con. Alors, on a essayé avec VLC, avec un pote, ça fonctionne pas. En tout cas, moi, j'aime pas le système. Lui, il est pro DaVinci, donc il m'a montré sur DaVinci, mais j'arrive plus à le refaire. Et tout simplement, OBS, en fait. J'ai juste fait une piste, là, sur OBS, et puis, voilà, je capte le son comme ça. Et normalement, pour le montage, je devrais le faire. Topicker. Maconieur. C'est la dernière. J'essaye, hein. On sait jamais. Il y a une autre carte cachée après la holo. On n'a pas trop d'énergie. Oh, je crois que c'est la dernière qui me manquait. Et j'ai pas la secrète. Oui, je l'avais pas. Trop bien. Ouais, ça pop dans ma tête. Hop. Donc, Staros, Salamèche, Piafabek, Chenif. D'ailleurs, je me disais, ouais, j'aimerais bien la gold. Enfin, la gold. Ouais, la gold. La secret de l'énergie psy. Voilà. Je vous mettrai une photo. Nidorino, Aquaquack. Invitation d'Erika. Psychoquack. Kabutops. C'est pas ouf. Bon, après, du coup, je sais pas dans les hits, dans quel booster ils étaient. Enfin, dans quel item ils étaient. Mais, hop. C'est vrai que j'aurais pu regarder juste le taux de drop pour le TB. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Hop, allez. Rondoudou. Starry. Salamèche. Bon, on commence à les connaître. Hein. Vous les connaissez, j'espère, en tout cas. Je regarde quand même aussi, parce que si ça coupe... Non, j'ai plusieurs trucs à gérer, vous imaginez. Deux caméras, un micro. Attention, la fourmi du net se professionnalise. Et on a une petite ex de... Elector ex, je suis pas sûre que je l'ai. Non, parce qu'on a le coffret d'Elector, mais je l'ai pas eu comme ça, je crois. Ça me perturbait. J'ai refait le tri, d'ailleurs, de mes cartes 151. Je les ai mis dans le classeur et tout et tout. J'ai trié mes doubles et tout ça.
petite énergie en feu. Très jolie. Je trouve que la bleue, c'est ma préférée, mais bon. Du coup, j'ai trié mes cartes. Il faut que je refasse des concours. Enfin, je me suis dit que ça pourrait être sympa, même plutôt en début d'année. Je vous avoue que là, j'ai pas mal de trucs à faire et à gérer. Mais volontiers, je vous fais un concours avec les doubles, du coup. Et voilà. Donc, de toute façon, restez informés. Abonnez-vous, d'ailleurs, pour rester informés de mes prochaines vidéos. Et j'annonce les concours dans les vidéos, en général. Donc, voilà. Bonne raison de regarder mes vidéos. Une foularte ? Bon, on sait qui c'est, hein. Trop bien. Moi qui disais que j'avais rarement des foulards, je crois que je l'ai en plus. Possiblement, je dis bien possiblement, il faut que je vérifie une double, du coup, à gagner. Trop stylé. Bah écoutez, cette ouverture se présente plutôt bien. Pour l'instant, ma préf, bah, c'est ouais, la foulard de drac au feu. Et puis l'alternate aussi, que je trouve très très mignonne. Allez, chez Tiflor, hop, on va aller un petit peu plus vite. Vu que j'arrive pas à prendre les cartes, on va aller à mon rythme au final. Persian. Ah, mais aide de Nina, désolée. Je rage toute seule. Sulfura. Ratata. Et Ectoplasma. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, en fait, c'est pour ça. Désolée si c'est... Je vous stresse. Non, je vous stresse pas, quand même. Je me stresse. Je m'auto-stresse toute seule. Donc, voilà. Allez, Paras. Parce que, évidemment, j'ai pas pris de l'avance. Donc, on tourne cette vidéo, on est vendredi. Elle sort dimanche. Oui, je sais, le montage, ça va assez vite, mais quand même. J'ai d'autres trucs à faire et du coup... ben voilà. Mais je suis très contente. Je suis très contente de rouvrir du 151. Merci d'ailleurs d'avoir voté. Vous avez été beaucoup à voter. Trop cool. Merci de participer à mes sondages. Je prends votre avis en compte. C'est Carapuce, c'est trop stylé. Je suis allée encore trop vite. Je suis désolée. Je l'avais pas. Elle est trop jolie. Je suis enfin contente d'avoir une des trois starters en alternée, du coup en génération. Et on a un Smogogo. Et c'est mon Pokémon, un de mes starters, enfin c'est mon starter préféré en vrai. Je suis trop contente. Ah, trop jolie. J'ai vraiment hâte d'avoir toute la collection. Enfin, les évolutions. Ah, vous avez compris. Voilà mon état en fin d'année. J-2 avant Noël du coup. Allez, 9-9, Mélofée. Machoc, Aeromite, Galoppa, Nidorina, Fossile, Psychoquack, Staros. En fait, j'étais en train de me dire, vu que cette vidéo sort le 24 décembre, je crois que je vais quand même vous faire un concours. Alors par contre, je pourrais pas envoyer, je pense, avant... avant début 2024. Mais on peut faire ça, en vrai. Pour clôturer l'année, c'est possiblement ma dernière vidéo de l'année. Donc, pour clôturer l'année, je vais vous mettre en fin de vidéo les doubles que je vous fais gagner. Voilà. J'espère que vous êtes contents. C'est pour rattraper aussi mes bêtises que je fais toute l'année dans mes vidéos. Évidemment, évidemment. Évidemment, je parlais de vous faire gagner un concours et puis ma vidéo s'éteint, enfin ma cam s'éteint. Bref, c'est pour toutes les bêtises que je fais dans l'année, que vous supportez et que vous regardez quand même mes vidéos. Donc, pour vous remercier, restez en fin de vidéo, je vais vous montrer mes petites doubles. Et suivant combien j'en ai, bah, je ferai 2 ou 3 à l'eau. Ouais. Une petite énergie. Je trouvais que j'en avais pas beaucoup alors que quelquefois, genre elle tombe super... beaucoup. Je pourrais aussi arrêter de parler. Ça peut être une option. Mais je me suis dit autant tester mon nouveau micro. Mais bon, c'est pas hyper intéressant non plus ce que je dis. Hein. Ouais, je croyais qu'il y avait quelque chose. Ouais. Pour une fois que je me concentre, il n'y a rien.
Allez, avant-dernier booster. Franchement, pour l'instant, la pioche me convient. Sur 19 boosters, du coup, pas 20. Et c'est pas fini. Carapuce, Exelang, Mythos, Rukul, Rukul, Sablero, Spectrum horrible, Aquaquack, Mewtwo, non, et un Ectoplasma. Ah non, on a pas... c'est bon, on se spoile pas. Attention, on a un Arbok X. Bon, je l'ai déjà. Une double à gagner. Ah, c'est vraiment de l'impro, hein, cette vidéo. Je la construis au fil des boosters, du coup. Hop. Ok. Il ne voulait pas. Hein. Il ne voulait pas. Donc voilà. Et on n'a pas fini, attention. Et c'est n'importe quoi, je suis navrée, vraiment. Pourtant, je suis pas stress. Hein. Enfin, j'ai fini le boulot. Bon, je vais sliver toutes ces cartes et je vais vous montrer le résumé de la pioche et puis les cartes que je vous fais gagner. Voilà, j'ai slivé les cartes. Alors par contre, je vous ai pas mis toutes les énergies que j'ai piochées, mais juste celles qui me manquaient, donc l'énergie psy. On a eu Arbok, Grolem, Mew et Elector X. Donc Elector X, je ne l'avais pas, je vais la mettre de côté. Hop, celle-là, c'est des doubles, donc je les mets là. Tétarte et Carapuce, très jolies, donc c'est mes deux préférées, je trouve. Elles sont vraiment trop jolies et je les avais pas, donc elles sont pas à gagner malheureusement. Et le Dracaufeu Full Art X que j'avais déjà, du coup il est à gagner. Mais c'est pas tout, je vais vous montrer tout de suite les cartes qui sont à gagner. Alors, on a Mew, deux fois, Arbok et Grolem. On a aussi le Florizarre X, le Herbizarre en alternate et échange, du coup, une gold à gagner. Là, c'est que mes cartes énergie, je vous ferai des petits lots avec. Enfin, je vous rajouterai dans les petites sélections que je vais faire. Et du coup, le Dracaufeu. Donc voilà, ça, c'est toutes les petites cartes qu'on a à gagner. Donc, je pense que je ferai 3 lots. 3 lots, ça me paraît pas mal. Donc voilà, pour participer, c'est très simple. Hein. Il suffit d'être abonné, de liker et de commenter. Et de pas oublier de remplir le Google Form qui se trouve en description. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le son était bon. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!